Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue avec laquelle j'ai eu beaucoup de retard, mais une vidéo qui me tient énormément à cœur puisque nous allons parler de trois personnages et de leur traitement vis-à-vis de Shadowlands, de l'extension Shadowlands, Kal'Thuzad, Ner'zhul et Arthas, comme vous le voyez au titre évidemment et à la description. Donc nous allons commencer tout simplement par Kal'Thuzad. L'ordre est important. Kal'Thuzad, c'est tout simplement vassal, le lieutenant de Ner'zhul et d'Arthas. Et donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur le contexte de la disparition à chaque fois pour les trois personnages, avec le contexte lié à Wrath of the Lich King, puisque Shadowlands s'inscrit dans la poursuite de Wrath of the Lich King. Donc Kal'Thuzad est tué à Wrath of the Lich King, cependant son phylactère n'était pas détruit à l'époque, ce qui pouvait laisser supposer un éventuel retour. Et dans Chronicle volume 1, donc à Légion, dans le contexte de Légion, nous parlait de rumeurs sur la présence supposée de Kal'Thuzad dans les terres d'ombre, ou ombre-terre, comme vous le préférez. Et au final, des cataclysmes, on voyait que visiblement le culte des damnés continuait d'opérer, continuait d'agir, malgré le patronage de Bolvar en tant que nouveau roi Lich. Donc il y avait déjà cette division entre le roi Lich et le culte des damnés, ce qui supposait du coup que Bolvar n'avait pas le contrôle de tous les morts vivants. Alors, on n'a pas eu beaucoup de réponses sur le phylactère, le contexte est vraiment vraiment très nébuleux. On ne sait pas vraiment pourquoi du coup il est dans les terres d'ombre alors que le phylactère est toujours en place. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé autour du phylactère, mais dans le livre que vous voyez ici, donc le Grimoire de l'Ombre-Terre, il nous informe, ce livre, que l'arbitre a dirigé l'âme de Kal'Thuzad vers Maldraxxus. Je sais que ça avait souvent fait couler d'encre, pourquoi Kal'Thuzad est plutôt à Maldraxxus et pas directement dans l'antre ou à Ravendress. Globalement, c'est l'idée que il puisse servir les intérêts de Maldraxxus par ses plans, son ambition. Il s'est battu pendant toute sa vie pour le pouvoir, etc. Il y a également dans le Grimoire de l'Ombre-Terre une supposition du narrateur qui est le fait qu'il y ait peut-être eu une éventuelle manipulation du geôlier. Étant donné que Kal'Thuzad est un lieutenant du geôlier, peut-être que c'est arrivé, mais ça c'est une supposition. Dans tous les cas, il a pour mission, en tant que lieutenant du geôlier justement, d'infiltrer la maison des rituels de Maldraxxus. Il commence à monter dans la hiérarchie à Maldraxxus, dans cette fameuse maison des rituels qui est spécialisée dans la nécromancie et les liches, donc la magie de la mort notamment. Et donc, le geôlier, qui est le grand boss coincé dans l'antre, visiblement a Kal'Thuzad comme lieutenant. Pour le moment on n'a pas d'infos, mais au final, à ce moment là bien sûr on n'a pas d'infos, et au final Kal'Thuzad va tout simplement saper l'unité des maisons. C'est quelque chose qu'il connaît bien, le fait d'infiltrer afin de diviser pour mieux régner, c'est quelque chose qu'il a toujours fait au final, Kal'Thuzad. Donc il va commencer par écarter ses ennemis politiques qui pourraient l'empêcher de faire son ascension au sein de la maison des rituels. Je rappelle qu'il y a 5 maisons, on va y revenir juste après. Donc il écarte ses ennemis politiques comme Balmédar, on en reparlera de Balmédar, qui est lui aussi une liche. Alors normalement il y a une différence aussi, c'est que les liches de Maldraxxus sont pas des morts-vivants, ce sont juste des morts, alors que Kal'Thuzad est un mort-vivant. Et c'est là aussi où le côté phylactère, on laisse un peu supposer que Kal'Thuzad il est comme les autres. Techniquement il ne l'est pas, mais bon, dans tous les cas il va du coup battre ses opposants politiques, les écarter de la sphère politique de la maison des rituels, pour justement réussir à trouver sa place et devenir, gagner, obtenir le titre de baron de la maison des rituels. Je rappelle que les barons, c'est tout simplement les deux bras droits du margrave, le margrave qui est le chef des maisons. Il y a 5 maisons, donc 5 margraves pour 10 barons, 2 barons par maison. Et au final, il va donc opérer en tant que bras droit du margrave Sindan, de la margrave Sindan, qui est donc en gros un peu la chef des liches de Maldraxxus en tant que margrave de la maison des rituels. Et Kal'Thuzad va du coup amener un changement de vision auprès de Sindan. Dans ses machinations, Kal'Thuzad est aidé par Denatrius de Ravendress, qui va pouvoir armer sa cause, tout simplement, et lui fournir des réserves d'anima pour faciliter la mise en place de son ascension au sein de la maison des rituels. L'absence du Primus va amener aussi ce changement de vision qui est opéré, puisque le Primus est censé être un petit peu le berger, celui qui est l'éternel qui dirige Maldraxxus, le chef des armées de l'Ombre-Terre, donc des terres d'ombre. Et au final, les 5 grands commandants sont les margraves, et les margraves ont les barons. On fera une vidéo probablement un jour sur Maldraxxus, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'en avais parlé il y a longtemps, mais c'est pas une priorité, mais faire vraiment une vidéo, parce que pour le coup, on a vraiment une excellente construction de Maldraxxus.
dans la manière dont c'est fait. Et au final, eh bien, l'absence du grand patron fait que les maisons commencent à se poser beaucoup de questions et ne savent pas vraiment où va leur mission sans le Primus. Donc c'est justement là-dessus que Kel'Thuzad va baser bien sûr sa réflexion, et il va commencer à chuchoter à Sindan, eh bien, le fait que peut-être la maison des rituels pourrait s'élever et justement, eh bien, agir pour le bien de Malraxus et des Terres d'Ombre. De plus, il commence à y avoir une pénurie d'anima, donc on perd de l'énergie, on perd ce qui permet tout simplement à Maldraxxus de tourner normalement, naturellement. Et c'est là où Thénatrius, responsable de la pénurie, va justement en plus en profiter pour redistribuer l'anima volée, eh bien, aux autres lieutenants du geôlier dans la possibilité potentielle, enfin, avec pour finalité la libération du geôlier et du coup la supériorité de la force cosmique qu'est la mort, avec, eh bien, le geôlier et ses partisans qui s'élèvent. Et donc, encore une fois, eh bien, ça facilite la montée en puissance de Kel'Thuzad, qui ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il est baron pour le moment, mais pourquoi pas aller plus loin. Mais bon, dans tous les cas, il sait bien que le Primus soit pas là, mais il faut en profiter, eh bien, pour motiver un petit peu les maisons. Donc, sous les conseils de Kel'Thuzad, comme on le disait, Sindan, margrave de la maison des rituels, va s'allier avec tout simplement la maison de l'assemblage. Et au final, la maison de l'assemblage et la maison des rituels vont collaborer et travailler de concert pour abattre les autres maisons. Et au final, eh bien, Garmal, donc là vous voyez Sindan et Garmal, donc les deux margraves de la maison des rituels ici, et nous avons Garmal qui est le margrave de la maison, enfin le ou la d'ailleurs c'est un peu bizarre, le margrave de la maison de l'assemblage, et leur premier fait d'armes, ça va être de détruire la maison de la peste. La responsabilité, c'est Kel'Thuzad et la maison des rituels qui du coup, eh bien, a en saboter les opérations de la maison de la peste, qui soupçonnait justement potentiellement une attaque de la maison des rituels, et finalement, eh bien, il va y avoir un sabotage, et c'est finalement la maison de la peste qui va être détruite, avec la destruction, bah, quasiment l'essentiel de la maison de la peste, et la mort notamment de la margrave Stradama de la maison de la peste. Et ensuite, eh bien, alors ils arrivent à maquiller ça en accident. Donc, pour le moment, on ne soupçonne pas la trahison de la maison des rituels et de la maison de l'assemblage. Finalement, bah, c'est les spécialistes dans les opérations d'infiltration et autres, la maison, eh bien, des yeux qui va, comme son nom l'indique, la maison des yeux, qui va du coup supposer qu'il y a eu peut-être manipulation et manigance. Au final, pendant leur enquête, eh bien, ils vont se rendre compte que c'est le cas. On va essayer, ils n'auront pas le temps de se finir. De se préparer, finalement, eh bien, la maison des yeux est attaquée. Et ça y est, le grand boom a commencé. C'est le premier grand mouvement de troupes de la maison des rituels et de l'assemblage qui anéantissent la maison des yeux. Les survivants de la maison des yeux vont tout faire pour s'opposer à la nouvelle alliance maison de l'assemblage et maison des rituels qui apparaissent comme des traîtres. Mais comme ils viennent de gagner, bon bah, ils gardent le pouvoir. Et au final, eh bien, il ne reste qu'une seule maison à balayer sur la route, c'est la maison des élus. Maison des élus, pour eux c'est qu'une formalité puisque, eh bien, on a déjà des agents à l'intérieur. Kel'Thuzad a promis à l'un des barons, à savoir le baron Viraz, eh bien, de potentiellement diriger la maison des élus à terme, et donc faire en sorte que ces trois maisons se battent ensemble pour Maldraxxus et remplacer et agir tel que le Primus aurait voulu. Mais bah, évidemment, ça c'est de la manipulation. Et finalement, eh bien, comme c'est plus qu'une formalité de faire tomber la maison des élus, en attendant, il y a une possibilité qui s'offre à eux. Kel'Thuzad est l'un des lieutenants du geôlier. On a parlé de Denatrius, mais il y en a deux autres, Elia et Muzala. Muzala qui opère à Sylvarden, Elia qui opère à Bastion. Et Bastion, on va en parler parce que bah, les Kyrian, ils ont des pouvoirs assez importants, hein, dans les quatre congrégations, bien sûr, mais les Kyrian ont des pouvoirs assez intéressants. Et il y a une guerre civile qui fait des ravages au sein de Bastion, ce qui offre une opportunité à la maison des rituels et la maison de l'assemblage, eh bien, d'attaquer Bastion pour aider Elia dans sa cause. Et en plus, ça favorise la maison des assemblages et des rituels, mais surtout la maison de l'assemblage pour le coup, qui va pouvoir récupérer les Kyrian morts ou les Kyrian vivants d'ailleurs, et récupérer leur anima pour l'implanter dans leurs assemblages, faire des abominations, etc., à base d'énergie Kyrian, récupérer de l'anima aux Kyrian. C'est tout bénef en fait, hein. On récupère de l'anima d'un côté pour les rituels et la magie, etc. En même temps, on va en profiter pour lever de nouvelles armées afin d'abattre la maison des élus
Et même, eh bien, à terme, servir d'armée principale. Normalement, c'était censé être l'armée de l'ombre-terre, hein, l'armée des terres d'ombre, le Maldraxxus. Eh bien, ça pourra servir d'armée principale pour le geôlier, du coup. Donc, finalement, eh bien, l'assaut va être repoussé au sein de Bastion. Mais c'est pas grave, le mal est fait. Même s'ils ont, ils sont repoussés, ils ont récupéré ce matériel, on va dire, pour créer de l'assemblage, enfin, pour créer les assemblages. Donc, finalement, eh bien, on va pouvoir continuer à faire ça. Sachant qu'encore une fois la guerre civile était provoquée par Elia, la récolte a été abondante et finalement, eh bien, on apprend justement que Kel'Thuzad, eh bien, était la tête pensante du pré-patch de Shadowlands, qui, je le rappelle, se base sur le déchaînement du fléau, donc mort-vivant, qui est guidé et on fait des portails, etc., pour guider justement ces morts contre des cibles spécifiques et opérer à des frappes chirurgicales et qui ouvre les portails, qui sert un peu de berger auprès des morts-vivants, c'est tout simplement le culte des damnés, qui agit toujours bien sûr sous les ordres de Kel'Thuzad, évidemment qui est le fondateur du culte des damnés. Et donc, quand on fait en parallèle tout ça, on se rend compte en fait que Kel'Thuzad, eh ben, c'est un véritable virtuose stratégique hein, qui va de succès en succès. C'est lui qui fait en sorte que Malraxus tombe sous la férule du geôlier. C'est lui qui fait très mal au bastion. Il a au final des embranchements aussi avec Revendreth. Donc, en dehors de Sylvarden qui échappe complètement à la sphère d'influence de Kel'Thuzad, il est quand même présent dans les intrigues de trois congrégations sur quatre. C'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Donc c'est vraiment le lieutenant le plus prolifique du geôlier. Et on a un peu l'impression, avec ce contexte, de retrouver le grand stratège que l'on connaissait à Warcraft 3. Eh bien, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter un petit peu. Parce que on va découvrir justement avec l'histoire, hein, en commençant à Bastion, ensuite Malraxus, etc. Et ensuite avec les campagnes de Congrégation. On découvre petit à petit l'implication de Kel'Thuzad dans toutes ces intrigues que je viens de vous évoquer avant, et on découvre eh bien il est présent dans beaucoup de machinations de Shadowlands. Encore une fois, son implication à Revendreth lui permettant de renverser Sindan, notamment à la fin, puisque aidé par le médaillon des moissonneurs et l'énergie, l'anima acquise au sein de Revendreth, eh bien il va pouvoir renverser son margrave. Donc il renverse Sindan pour pouvoir prendre sa place en tant que margrave de la maison des rituels. Et au final, eh bien, dès que Kel'Thuzad sort de l'ombre, terminé le virtuose stratégique, terminé la réflexion, le personnage très intelligent, on retrouve évidemment le Kel'Thuzad de Vanilla et de Wrath of the Lich King, à savoir la parodie du Docteur d'Enfer d'Austin Powers, qui était lui-même une parodie de méchant James Bond. On retourne dans du porning classique avec le Kel'Thuzad, son Potichat. Le fait qu'il fait des kick-a-bottines comme pas possible avec ses grands discours où il va tous nous atomiser, en fait, il se fait défoncer. On perd toute subtilité, ça devient juste le grand méchant basique. Et pour vous montrer à quel point on est sur du vanilla, du porning vanilla, on a tout simplement eh bien, le retour de Saphiron, juste maldraxifié en termes d'apparence. Saphiron, hein, qui est la première grande, premier grand héros Wyrm des Glaces. Finalement, on s'en bat les steaks, il est juste là, ça fait écho à Naxxramas, donc on est content, on a notre Naxxramas, c'est super. Nous avons ensuite, du coup, eh bien, son ancien rival que j'avais évoqué avant, qui était tout simplement Balmédar, hein, un autre de la maison des rituels, eh bien, qui sera la cause de sa chute. Kel'Thuzad l'avait fait écarter dans de la maison des rituels, et justement, il va s'allier avec la maison des élus. Et au final, eh bien, il va libérer Sindan, qui va le forcer à se replier dans l'antre, et on le retrouve du coup dans l'assaut de l'antre par les congrégations, par les quatre congrégations, ce qui fait qu'on va l'affronter dans le Sanctum de Domination. Et dans le Sanctum de Domination, eh bien, il va nous faire encore. On est sur un fight très Naxxramas 3.0, et au final, eh bien, on va découvrir Kel'Thuzad va continuer de cabotiner, de donner plein de phrases en mode je vais geler votre sang, tout ça, je vais vous détruire, je suis des grandes phrases de méchant. Mais il va nous balancer des lignes très importantes, notamment celle, en fait, eh bien, il peut maintenant montrer sa vraie allégeance à son véritable maître, qui est le geôlier depuis le début. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que ça a été. Enfin, en gros, en interview, ça pose beaucoup de questions, on va y venir juste après. Mais au final, eh bien, en interview, Steve Danuser, donc le lead narrative designer pour l'extension Shadowlands,
a évoqué que non, ça ne... au final, il servait bien le roi Lich, etc., et qu'il a commencé à servir le geôlier à partir de la fin de Wrath of the Lich King. Mais le problème, c'est qu'en jeu, eh bien, c'est toujours là. Les lignes que Kel'Thuzad balance en mode non, depuis le début, je sers le geôlier. Et depuis le début, c'est le moment où il fait son pacte avec le roi Lich. Donc, ça remettait en cause énormément de choses. Parce que si en fait, il sert le geôlier, s'il sert le geôlier depuis le début. Et le problème, c'est qu'encore une fois, même si Steve Danuser en interview a dit non, c'est bien après Wotelka qu'il le sert, le problème, encore une fois, c'est que c'est en jeu. C'est présent en jeu, ça n'a pas été enlevé. Et pourtant, on a fait des feedbacks, on a dit bah oui, mais c'est bien de le dire en interview, mais virez-moi ces lignes de merde en jeu, quoi. Bon, on n'a pas dit ça comme ça. Et le problème, c'est que du coup, ça remet en question énormément de choses. Ça remet en question du War 3, du War of the King et même du Shadowlands. Parce que si l'objectif de Kel'Thuzad, c'est le succès du geôlier, le geôlier qui est coincé dans l'antre, et le roi Lich, qui, je le rappelle, est une création du geôlier, doit servir à libérer au final le geôlier de sa prison dans l'antre. On sait, grâce à la collector et en jeu, le geôlier dit justement que les rois Lich se sont retournés contre le geôlier et n'ont pas, on va dire, accompli leur mission qui était de libérer leur maître. Au final, eh bien, en faisant ça, Kel'Thuzad, si dès le départ il pouvait, il servait le geôlier, pourquoi il a assisté Ner'zhul dans sa rébellion contre la Légion Ardente et le Geôlier? Pourquoi il a sauvé Arthas? Pourquoi à Frozen Throne il aide à la libération et au sauvetage de Ner'zhul? Pourquoi à Wrath of the Lich King et à Vanilla il sert toujours le roi Lich? Pourquoi à Wrath of the Lich King il affronte les Nathrezim? Et pourquoi même à Reign of Chaos, tout simplement à Warcraft 3, il dit pas aux Nathrezim quand il a tous les plans? Il sait pour le coup Kel'Thuzad est dans les petits papiers de Ner'zhul, le roi Lich. Il sait exactement quels sont les plans du roi Lich. Pourquoi il dit pas aux Nathrezim, qui sont les serviteurs de Denatrius et du geôlier, pourquoi il leur dit pas du coup directement ah, au fait, il compte vous trahir. Donc renverser le pouvoir et le petit blondinet là, faut le flinguer. Il le dit pas ça, donc ça n'avait aucun sens. C'était une énorme incohérence, c'est juste impossible. C'est impossible Warcraft 3. Et par exemple, même quand Sylvanas va tuer Arthas dans Frozen Throne au début, au final, il est sauvé par qui? Par Kel'Thuzad, qui va permettre du coup à Arthas d'aller dans le Northrend et de protéger son maître. S'il laisse Sylvanas tuer Arthas, Ner'zhul est fini. C'est bon, ça aide le geôlier au final. Donc c'est vraiment très 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 bizarre comme ça. Finalement, c'est corrigé en interview, mais pas en jeu. Situation très abracadabrante, je trouve. Et Balmédar, justement, parlons de lui. Hein, Balmédar qui ressemble un petit peu à ça en jeu, qui est très sympa d'ailleurs en termes d'apparence. Malheureusement, on n'a pas de très beaux artworks de lui. Balmédar, pour moi, il incarne ce qu'aurait dû être Kel'Thuzad à Shadowlands. Parce que Balmédar, il a des motivations personnelles. Il était en phase. Je sais plus s'il était baron, il était en phase de devenir baron. Mais il a été dégagé par Kel'Thuzad, on lui a enlevé tous ses titres et tout son pouvoir, que ce soit pouvoir magique, mais aussi le pouvoir dans le sens vraiment le contrôle de la société. Et donc, il veut récupérer son pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui est très intéressé et qui est légèrement, enfin, après, c'est le but aussi à Malraxus, c'est le côté un peu égoïste en mode je veux monter la hiérarchie, je veux monter dans les rangs. Mais d'un autre côté, le plan de Balmédar, c'était aussi de libérer son maître, l'Amargrave Sindan. Donc, on a un personnage qui est foncièrement égoïste, qui veut récupérer son pouvoir, mais qui d'un autre côté a aussi une finalité plus basée sur la loyauté envers son maître. C'est une liche qui est intéressée par le pouvoir personnel et qui malgré tout est très loyale à son maître et veut libérer son maître. C'est marrant, ça me rappelle un truc ça. Et vous voyez en fait pour moi Balmédar c'est ce qu'aurait dû être Kel'Thuzad à Shadowlands, à savoir... Il recherche le pouvoir personnel, mais aussi pour pouvoir libérer son maître, parce que ça a toujours été la loyauté. Kel'Thuzad à War 3 incarne aussi cette loyauté à l'égard du roi Lich, qui d'ailleurs n'a pas été remise en cause par Warcraft 3 et Frozen Throne, par Vanilla, World of Warcraft Vanilla et Frozen Throne, Wrath of the Lich King, lapsus, Wrath of the Lich King. Donc, il a toujours été loyal à Ner'zhul et à Arthas. Donc, c'est très étonnant en fait qu'à Shadowlands, il y ait ce genre de ligne et qu'au final, sa loyauté, son lien de vassalité, de son lien de vassalisation à l'égard d'Arthas et de Ner'zhul soit totalement absent de l'écriture. Et c'est bien malheureux parce que ça aurait pu expliquer justement son alliance avec le geôlier, parce que globalement, bon, on le met un peu sous le tapis et tout. Pourquoi il a rejoint le geôlier? Le pouvoir, puis voilà, fin de Wotelka, bon, il sait plus trop, il n'y a plus de roi Lich, donc vas-y, hop, le geôlier machin. C'est déjà, bon, c'est même pas en jeu, c'est des petites phrases dites comme ça par là, je vous l'ai dit, des interviews, etc. Alors que concrètement,
expliquer qu'il s'est allié avec le geôlier pour le pouvoir personnel, bien entendu, mais aussi dans une autre finalité, avec pourquoi pas justement la libération de ses anciens maîtres, à savoir Arthas et Ner'zhul, présents dans l'extension. C'est vraiment dommage, on passe à côté de quelque chose et pourtant les lignes sont là, Balmédar les a. C'est vraiment dommage de ne pas avoir retranscrit ça au niveau de Kel'Thuzad. Et j'ai envie de dire, Kel'Thuzad, il méritait enfin une écriture profonde, digne du personnage, avec un réel développement. Et au final, on se retrouve avec le Ragnaros de Cataclysme, à savoir un méchant de Vanilla qui revient dans un contexte un peu différent, mais avec des similarités, qui est lié au boss d'extension de manière assez maladroite, sans vraiment de raccord. En fait, Kel'Thuzad, c'est le Ragnaros de Shadowlands, hein, globalement. Hein. Et c'est vraiment dommage parce que on le retrouve en mode juste grand méchant, on l'affronte, ça fait une case de moins à cocher sur un codex. Je trouve ça vraiment, vraiment très triste. Et pourtant, avec le début du traitement de Kel'Thuzad, avec ses machinations, etc., ça reste malgré tout le meilleur traitement que Kel'Thuzad ait pu avoir dans World of Warcraft. À des dizaines, à des années-lumière de ce qu'on avait dans Warcraft 3. Mais force est de constater, c'est factuel, que Kel'Thuzad à Shadowlands, par le début de son arc, est quand même forcément plus intéressant que le Kel'Thuzad de Vanilla et de Hotelka. Donc c'est ça qui est le plus triste, c'est de se dire que c'est nul, et pourtant c'est le meilleur traitement de Kel'Thuzad dans World of Warcraft. C'est dire à quel point c'était pas terrible avant. Et c'est vraiment du gâchis, c'est vraiment du gâchis, c'est la sensation de gâchis que j'ai, c'est le potentiel était là. Le début de Shadowlands avait fait le plus dur, c'était excellent. Retourner le manipulateur de Warcraft 3, celui qui agit dans l'ombre et qui a beaucoup de réflexion, qui est là pour diviser, pour mieux régner. On a la même logique que dans War 3. Mais au final, on ne pouvait pas s'empêcher d'en faire une parodie, puisque ça reste le docteur d'enfer de l'univers de Warcraft grâce à World of Warcraft Vanilla, et ça fait plaisir. Et donc, comme je le disais, bah, malheureusement, malgré ce constat navrant, c'est malgré tout le meilleur traitement que Kel'Thuzad ait pu avoir dans WoW, mais ça reste nul, malheureusement. On va pouvoir attaquer Ner'zhul, hein, le premier roi Lich, le roi Lich tout simplement, avec le contexte de Wrath of the Lich King. Là, on va rigoler, bien sûr, puisqu'il est tout simplement absent de l'extension sur le roi Lich, et c'est quand même rigolo quand on rappelle que Ner'zhul est le roi Lich, donc c'est quand même... c'est quand même dommage. Il n'est même pas mentionné in-game à part deux fois, donc dans la salle des reflets par Uther, qui rappelle bah, juste que c'était la prison de Ner'zhul, que c'était Ner'zhul le roi Lich et qui avait corrompu Arthas, et aussi pour la quête sur Deuil-l'Ombre. Donc c'est les deux seules notions, c'est les deux seules mentions de Ner'zhul, et c'est par rapport à ce que Ner'zhul était dans Warcraft 3. Sinon, il est totalement absent et de l'extension. Il n'est pas mentionné, il n'est même pas évoqué, il n'est pas... On s'en fout, il n'a aucun impact sur l'extension sur le roi Lich. Et ça, c'est quand même exceptionnel, quand la fin de Frozen Throne, la fin de Warcraft 3, c'était quand même Ner'zhul qui se libérait enfin de sa prison. Finalement, Hotelka en arrive, bah en fait, il est même plus là. C'est quand même formidable. Et c'est dans l'ascension du roi Lich qu'on apprend que la définition du mot fusion a visiblement un autre sens, parce qu'en fait, bah, fusion, mais pas fusion concernant Ner'zhul, hein. Le principe c'était qu'il était censé être dans son armure, et que sa armure c'est l'extension, vu qu'il n'a plus d'image physique, et eh bien il est une forme psychique, hein. C'est le roi Lich, le principe c'est que c'est une Lich en fait, donc un mort-vivant. Et du coup le principe c'est que quand Arthas met le casque, et eh bien Ner'zhul a enfin un nouveau corps en la personne d'Arthas, et qui devient son hôte. Et Ner'zhul, eh bien, va pouvoir continuer à diriger le fléau, etc. Mais en fait, bah, pas vraiment. Hein. C'est une fusion, mais sans être là, puisque eh bien, Ner'zhul se fait bouter du casque par Arthas, alors que bon, juste quand Arthas avait empoigné Frostmourne, il était devenu total esclave de Ner'zhul. Vidéo sur Wrath of the Lich King, ça n'a aucun sens. Mais voilà le contexte, c'est que Arthas dégage Ner'zhul du casque à Warcraft 3, à Wotelka, pardon. Début de Wotelka, quand il se réveille dans la cinématique de départ, eh bien, instantanément, Arthas a repris le contrôle, Ner'zhul est terminé. Donc Ner'zhul, eh bien l'âme de Ner'zhul rejoint Shadowlands, et on va retrouver quand même une parcelle de Ner'zhul à Légion dans les lames du prince déchu, qui sont des morceaux de Frostmourne, d'œil givre. Donc depuis Wrath of the Lich King, hein, depuis le début de Wrath of the Lich King, eh bien il est prisonnier du geôlier dans l'antre. Ce dernier, comme je l'ai dit un petit peu avant, a révélé dans... on a des infos dans la collector de Shadowlands et en jeu à plusieurs reprises, je crois deux reprises, le geôlier parle du fait que les précédents rois Lich ont échoué en n'agissant pas selon sa volonté et se sont rebellés contre son autorité. Ce qui explique pourquoi eh bien, on retrouve Ner'zhul dans le Sanctum de la Domination,
torturé, on le retrouve, comme prévu par rapport à ce que avait pu dire le geôlier, eh bien on le retrouve torturé dans un état déplorable. Il est grossièrement parodié, puisqu'en fait c'est une liche orque enfermée dans une armure qui enserre son âme. C'est là que j'en veux pour le côté parodique, c'est que on est sur une situation où en fait c'est presque une description du roi liche. On a une liche orque enfermée dans une armure et qui est condamnée à la souffrance éternelle. C'est un peu Ner'zhul en roi liche à la base, hein. Sauf que là c'est une armure du coup qui l'enserre, telle une vierge de fer un petit peu, cet instrument de torture où on enferme quelqu'un dedans et on comprime pour le faire pour le. Juste pour le massacrer son corps physique. L'objectif généralement c'est juste de la torture, hein, donc c'est pas le tuer tout de suite, c'est de lui faire le très très mal. Et là pour le coup, comme il n'a pas d'enveloppe physique, c'est son enveloppe, c'est tout simplement l'enveloppe l'âme, hein, l'enveloppe spirituelle. Et le but du combat, eh bien, c'est de libérer justement Ner'zhul de son armure. Et ça, c'est assez intéressant parce que Ner'zhul du coup n'est pas un boss à abattre. Mais au final, eh bien, toute la mécanique du combat, c'est de casser l'armure pour libérer l'âme qui est enfermée et torturée à l'intérieur. Donc le contexte du combat est assez intéressant. On a des lignes de Ner'zhul qui, on voit qu'il est perdu, hein, on voit on sent qu'il a pris très très cher, hein, à cause de cette torture, et c'est assez logique. Ner'zhul qui revit un petit peu ce qu'il avait vécu à cause de la Légion Ardente et de Kil'jaeden lors de la création du Roi Lich. On va en reparler après quand on va parler d'Arthas. Mais du coup, à la fin du combat contre Ner'zhul, l'armure est vaincue, il peut enfin être libéré de ses tourments éternels. Sa pensée va alors directement, évidemment, à sa femme, qui, il espère, après tout ce chemin, il espère enfin pouvoir la rejoindre, même s'il n'en est pas sûr. La boucle est bouclée. C'était Kil'jaeden qui s'était fait passer pour sa femme, qui avait impliqué la descente aux enfers et le fait que les orques soient damnés au service de la Légion Ardente à cause de Rulkan, sa femme, hein, je rappelle qu'il avait pris son apparence. Et à la fin, ses dernières pensées sont à l'égard de sa femme. Depuis le début, il pensait aux morts et à sa femme. Donc voilà, la boucle est bouclée. J'aurais aimé plus, évidemment, Ner'zhul, l'un de mes personnages préférés dans la licence Warcraft. J'aurais aimé plus. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être comme War Savage King. On partait de quand même d'une extension qui n'avait pas parlé du Roi Lich, c'était quand même exceptionnel. Vous allez me dire, bah si, Arthas, c'est le Roi Lich. Oui, enfin, le Roi Lich, c'est Ner'zhul. Hein. Expliquez-moi en quoi Arthas est une liche. Hein. Merci à vous. Donc, pour le coup, Shadowlands aurait pu faire plus. Encore une fois, Kel'Thuzad aurait pu. Une des aspirations de Kel'Thuzad aurait pu être de justement essayer de libérer ses anciens maîtres et notamment Ner'zhul pour le libérer de ses tourments, etc. Mais au final, on n'a pas ça. Mais pour ce qui est du traitement de Ner'zhul, c'est au moins satisfaisant. C'est pas juste on a cassé la gueule d'un grand méchant, etc. On sent qu'il est la victime de ce qui se passe. Et pourtant, c'est quelqu'un aussi qui a fait des choses atroces, hein, Ner'zhul. Hein. Mais là, dans ce combat, on a pitié de lui. Enfin, le mec, il se fait torturer. Et au final, tout le combat repose sur la libération de Ner'zhul. Donc, il y a un respect du personnage. À la fin, il se retourne vers sa femme. Vraiment, il y a ce côté bouclé. Même si ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, faut pas l'oublier aussi. Et donc à ce niveau-là, au moins, c'est satisfaisant, je trouve. C'est pas le meilleur, j'aurais aimé plus, mais ce qu'on a est quand même loin d'être mauvais. Et puis quand on compare à War Savage King, bon bah là, y a pas photo, évidemment, c'est presque du prodige à ce niveau-là. Donc je dirais pas que c'est du prodige, mais au moins, c'est satisfaisant. Attaquons Arthas! Contexte de War Savage King pour Arthas, évidemment, vidéo sur War Savage King. Si jamais vous voulez d'ailleurs, concernant le Roi Lich lui-même et Ner'zhul, guerre de l'araignée, vidéo sur la guerre de l'araignée, période qui est très peu connue par les joueurs et pourtant qui est diablement intéressante. Donc, contexte de War Savage King pour Arthas, hein, le nouveau Roi Lich est vaincu par un glaçon, Tyrion Fordring, armé d'un cure-dent et l'esprit de Papaladin, à savoir Terenas Menethil, qui va ressusciter les ennemis d'Arthas. Finalement, il est vaincu, il est tué, son âme peut alors rejoindre les terres d'ombre où il ne voit que les ténèbres. Voilà, ça c'est la fin de War Savage King, hein, fin exceptionnelle qui respectait à fond le personnage. Pardon, vidéo sur War Savage King. Donc, nous avons Uther qui a été tué par Arthas à Warcraft 3. Il y a une vidéo sur Uther qui arrive d'ailleurs, hein, puisque j'en avais parlé pour l'arc de Shadowlands. Uther, qui n'arrive pas à faire l'ascension des Kyrian, hein, de son côté, eh bien, va s'emparer de l'âme d'Arthas qui a été défait donc, à la citadelle de la Couronne de Glace dans le Northrend. Et au lieu d'amener l'âme devant l'arbitre, ce que n'importe quel Kyrian est supposé faire, hein, c'est leur mission, eh bien il choisit la vengeance, hein, en poussant sans jugement de l'arbitre, il va pousser
l'âme, enfin il va jeter hein, carrément l'âme d'Arthas en pâture au tourment de l'antre. Lui, son apprenti, son ancien apprenti paladin, qui a damné l'âme de sa propre âme, hein, il a damné l'âme d'Arthas, il a damné l'âme du terre, il a damné son roi, il a tué son père, il a détruit son royaume, eh bien, Uther considère qu'Arthas ne mérite que sa propre justice, hein, c'est la vengeance, bien entendu, il a beau dire que c'est de la justice, c'est de la vengeance, et c'est l'une des thématiques de Shadowlands d'ailleurs. Et finalement, on va retrouver Arthas dans l'antre, dans la nouvelle de l'Orée de la Nuit. J'ai fait une vidéo sur cette nouvelle extrêmement importante pour Shadowlands et pourtant absente de l'extension Shadowlands, alors que tout se base sur l'Orée de la Nuit. Donc on va retrouver Shadowlands dans l'après-vie, hein, dans les tourments. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas l'antre dans l'Orée de la Nuit, mais le nom ne fait, et enfin, tourment, orgasme, tout ça, tout ça. On voit vraiment l'endroit, justement, c'est une description où c'est les enfers, hein, y a une les âmes sont torturées, elles crient de douleur, etc. Et je rappelle quand même que dans cette nouvelle, Sylvanas est le personnage principal, elle croise Arthas. Sylvanas qui a juré de tout faire pour faire souffrir Arthas comme pas possible, de le tuer et de le faire souffrir. Dès qu'elle a été libérée de Ner'zhul à Warcraft 3, tout son objectif a été de tuer Arthas et de le faire souffrir, comme elle souffre elle-même. Et du coup, eh bien, quand elle, dans l'orée de la nuit, elle croise Arthas, elle voit ce qu'est en train de subir Arthas, elle a de la pitié pour Arthas. Sylvanas Windrunner, Sylvanas Coursevent, qui a juré de damner, enfin qui a juré de tout sacrifier pour tuer Arthas et le faire souffrir, a pitié d'Arthas, tellement il est en train de prendre la douille. C'est quand même exceptionnel. Genre, en termes de... Enfin, je veux dire, elle a pitié de lui vis-à-vis de la souffrance qu'il subit. Donc, la souffrance que prend Arthas est indescriptible. Qu'un personnage comme Sylvanas ait pitié d'Arthas, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mots là-dessus. Ça en dit long. Et du coup, pour faire un récapitulatif, Arthas, de la fin de Wrath of the Lich King jusqu'à Shadowlands, eh bien, il continue à subir les foudres du geôlier. Comme Ner'zhul avant lui, il avait choisi visiblement à Wotelka de repousser le geôlier lors de son existence en tant que maître de la mort, en tant que roi liche. Et c'est donc pour ça que le geôlier insiste tant à torturer ses anciens lieutenants, à savoir Ner'zhul et Arthas. Et les deux vont souffrir. Déjà, bon, dans l'antre, toutes les âmes souffrent, mais eux, là, pour le coup, le geôlier, il met vraiment le paquet pour les détruire. Et au final, eh bien, à l'image de Ner'zhul entre Warcraft 2 et Warcraft 3, eh bien, le geôlier va apparaître comme une sorte de Kil'jaeden qui va torturer Arthas et tout simplement réduire en lambeaux, en morceaux, son âme qui sera fragmentée. Et il va se servir de cette âme, hein, l'anima d'Arthas, pour en faire un nouvel instrument de sa puissance en tant que geôlier, en tant que maître de la mort. Un fragment d'anima pour alimenter sa nouvelle arme, Anduin, son nouveau champion Anduin. Et à ce titre, effectivement, le geôlier apparaît comme une sorte de Kil'jaeden, mais aussi une sorte de roi liche, de nouveau roi liche. Et Anduin, c'est un petit peu le Arthas, le chevalier de la mort, etc. Même si Anduin, pour le coup, lui, n'est pas mort. Et donc, eh bien, on va pouvoir assister à ça dans Shadowlands, notamment lors du combat contre Anduin au Sépulcre des Fondateurs. Anduin est armé de Deuil Roi, Kingsmourne, hein, petit écho à Frostmourne, bien entendu, Deuil Givre, où se trouve eh bien, le fragment d'animal, l'âme d'Arthas, le cristal qui représente l'âme d'Arthas. C'est donc un combat contre Arthas et Anduin, deux anciens princes, deux anciens rois, qui va aboutir à la destruction de l'âme de l'ancien champion du roi Lich, Arthas Menethil. C'est justement à l'issue de ce combat eh bien, que la cinématique va diviser profondément les joueurs. J'ai fait une vidéo sur l'analyse de cette cinématique et aujourd'hui eh bien, je fais le parti de débunker et de détruire un petit peu ce que... bien sûr, chacun pense ce qu'il veut, mais en termes de... Beaucoup de gens ont dit que cette cinématique n'avait aucun sens, que c'était trahir le personnage, etc. Et on peut comprendre que cette cinématique divise. Elle est vraiment difficile à encaisser. J'avoue que le premier visionnage de cette cinématique m'a laissé sans voix, et c'est très rare. Genre, à la fin du premier visionnage, j'étais en mode... Je sais pas quoi dire, en fait, je sais pas quoi dire, et ça m'avait mis un choc, en fait, ça m'a vraiment choqué. Et c'est une véritable mort
source donc de tristesse et de frustration, ce qui est compréhensible. C'est une véritable analogie du deuil, hein, au final, dans sa forme la plus pure. On assiste à la fin d'un personnage de légende de la licence Warcraft, probablement le personnage le plus apprécié de la licence, quel que soit, bon, je suis sûr, il y en a qui vont me dire « Non, lui, c'est lui, machin, etc. » De manière générale, Arthas est le personnage préféré des fans, c'est aussi l'un de mes personnages préférés. Donc, c'est comme un deuil, hein, véritable, comme le décès d'un proche, c'est une fatalité qui s'impose à nous, et au final, chacun vit son deuil de manière différente. Et c'est vrai que bah, la disparition d'Arthas, parfois, eh bien, elle peut provoquer la colère, la tristesse, la résignation. Et au final, eh bien, on a eu un petit peu de tout ça avec la disparition et cette cinématique, qui est clairement une cinématique qui divise et qui a un petit côté douce amer. On va y revenir après, mais il y a un petit côté douce amer. Dans une extension ayant pour thématique la mort, le libre arbitre et la justice, qui sont les trois thématiques très importantes de Shadowlands, Arthas a été à la fois victime et bourreau, hein. Je rappelle qu'il a quand même choisi volontairement de damner son âme au profit de Ner'zhul, le roi Lich de l'époque, et devenir le champion du roi Lich en tant que chevalier de la mort, en tant que premier chevalier de la mort d'ailleurs. Donc, c'était difficile dans tous les cas de conclure la page Arthas. Pour moi, par exemple, Wrath of the Lich King l'avait très 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 mal fait, vidéo sur Wetelka, et au final, eh bien, on était sûr qu'il allait apparaître dans Shadowlands. Il était apparu dès le départ en fait avec la cinématique de Bastion et d'Uther, et au final, eh bien, il a hanté l'extension du début à la fin. Je veux dire, tous les personnages mis en avant à Shadowlands sont quasiment tous des personnages qui sont de près ou de loin liés au roi Lich et à Arthas. Je veux dire, les personnages emblématiques de l'extension, c'est quand même Uther et Sylvanas, deux personnages tués par Arthas. On a au départ Darion Mograine et Bolvar qui est littéralement le remplaçant d'Arthas, et on a Darion Mograine qui vient nous contacter dans les capitales, etc. Darion Mograine, c'est juste le nouvel Arthas en tant que chevalier de la mort. C'est, puis même physiquement et son histoire, c'est la même qu'Arthas, hein. Pour moi, Mograine, ça a toujours été un Arthas Wish. Donc, la plupart des personnages évoqués, Kael'thas qui revient, Kael'thas qui est vraiment lié aussi à Arthas, on a Jaina, on a vraiment, je veux dire, il a toujours été là du début à la fin. Le truc, c'est qu'en fait, il a hanté l'extension du début à la fin, mais sans être physiquement présent. Ce qui donne du coup ce côté un petit peu frustrant aussi, le fait qu'on aimerait le voir, on aimerait que ce soit tangible et pas juste une espèce d'esprit qui hante le lieu. Et c'est là où sa fin douce amère aussi, j'ai envie de dire, elle est plutôt raccord de ce qu'on a vu. Faut écouter le personnage dès la fin de Wotelka, et pourtant qu'est-ce qu'elle est nulle, hein, cette fin. Mais lui-même le dit, il dit « je ne vois que les ténèbres ». Il y avait le côté « bon bah voilà, justice a été faite, il a fait des choses horribles, boum, il mérite un coup de fusil, boum, dans sa tête », mais il dit « je ne vois que les ténèbres ». On a l'orée de la nuit qui nous dit qu'il est en train de souffrir, il est en train d'être tourmenté. On a le début de Shadowlands où il y a le geôlier qui essaye de torturer Bolvar en disant « tous les rois Lich ont échoué, toi aussi, tu vas subir mes foudres ». Au final, on arrive au Sanctum de la Domination, on voit quoi? On voit Ner'zhul qui se fait torturer. À la fin, logique, la fin est logique de voir qu'Arthas a été morcelé, détruit. En plus, il y a le petit parallèle, le petit clin d'œil à... Il a subi ce que Ner'zhul a subi entre War 2 et War 3, et les conséquences de ses actes, c'est qu'il a été détruit par une force plus puissante à qui il avait, on va dire, de près ou de loin, une allégeance et qui finalement a trahi. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas plus de détails concernant la trahison et le point de vue d'Arthas à Wotelka. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu servir à expliquer des choses complètement incohérentes de Wotelka. Mais du coup, bah, au final, c'est raccord. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, factuellement, ce n'est pas incohérent avec ce qu'on sait de War 3, de l'arc d'Arthas en général. C'est pas incohérent. C'est juste qu'après, évidemment, elle est réceptionnée par le joueur. Chacun va vraiment la réceptionner différemment. Et ça, je peux comprendre. Mais factuellement, bah, elle est cohérente avec ce qu'on sait, que ce soit à Shadowlands, que ce soit à War 3, que ce soit à Wrath of the Lich King. Et au final, on ne peut pas enlever à Shadowlands que c'est clairement une prise de risque de la part de Blizzard. On a souvent la tendance à dire que c'est facile, on surfe sur la nostalgie, c'est facile de toujours... Enfin, qu'on est parfois dans la facilité, dans la sécurité du côté de Blizzard, qu'il n'innove pas, etc. Et même Shadowlands reprend des thématiques qu'on a pu voir par le passé. Il les retravaille ou pas dans certains cas, comme je l'ai dit avec Kael'thuzad par exemple. Et du coup, la facilité, et là j'ai bien rigolé en faisant ce visuel, hein. Artwork de Wrath of the Lich King classique, on met le logo de Shadowlands avec les couleurs inversées, boum, ça fait du Wotelka, ça fait du bleu. Et au final, et ben, la facilité aurait été de faire un Légion bis.
On remplace Illidan par Arthas. Arthas revient, une rédemption. Finalement, on découvre un autre point de vue. Tout ce qu'il faisait n'était pas si mauvais. En tant que fan d'Arthas, j'aurais aimé, c'est sûr. Mais ça aurait été super facile. On aurait complètement léché le fan dans le sens du poil. J'aurais vraiment kiffé. Moi, j'adore Arthas. Et mon call, de toute façon, et c'était Arthas, on le reverra à Shadowlands, c'est sûr. Bah, pour le coup, j'avais raison. Et après, je me disais, bon, bah, moi, je m'attends à ce qu'on ait une sorte d'Illidan à Légion, une sorte de rédemption du personnage, etc. Et comme je disais, Kel'Thuzad qui libère Ner'zhul Arthas, qui se serait du coup retourné, qui aurait pu nous aider, puisqu'ils connaissent de l'intérieur le truc, pour battre le geôlier, ça aurait été super intéressant. Mais Shadowlands porte un message. Le principe, justement, c'est qu'en tant qu'une extension sur la mort, eh bien, le deuil, la thématique du deuil doit être abordée. Et pour le coup, eh bien, la fin douce amère avec le fait que c'est terminé pour Arthas. Alors bon, potentiellement comme les fans n'ont pas aimé, peut-être qu'ils reviendront un jour dessus, mais ce serait dommage parce que toute la thématique, c'est le deuil. Et du coup, le fait que... Enfin, il y a quand même une arme qui s'appelle deuil en plus, mais le fait que justement Arthas meurt et qu'il faille avancer, enfin, je veux dire, c'est le message de Shadowlands. Le problème, en fait, n'est peut-être pas justement la fin d'Arthas, le problème, c'est peut-être juste le reste de Shadowlands qui, malheureusement, eh bien, va aller, je dirais... dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la présence était évidente d'Arthas, mais surprend par sa forme, encore une fois. Pourtant, parce qu'on pourrait dire, alors oui, du coup, elle essaye de surprendre. Et le problème, c'est qu'on a des mauvais exemples récemment de « on va tellement vouloir surprendre le fan qu'on fait n'importe quoi ». Mais là, en fait, comme je l'ai dit, ça surprend. On s'attendait à ce qu'il soit là, boum, façon Illidan. Non, il est là, mais plus en forme de fantôme, on va dire. Sans pourtant remettre en cause la cohérence du récit. Bien au contraire, il sert, Arthas sert la construction du récit. Et du coup, le souci vient d'où? Eh bien, il vient pour moi de Shadowlands, qui ne rend pas honneur à cet arc, avec finalement, eh bien, peu de morts et de sacrifices nécessaires dans la destruction du geôlier. Notamment, je l'avais évoqué, le fait que j'aurais bien vu Bolvar se sacrifier pour permettre de libérer Anduin, et Anduin aurait tué Bolvar parce qu'il était contrôlé par le geôlier. Mais je dis Bolvar, mais d'autres aussi, hein. Le problème, c'est qu'en fait, en dehors de la mort d'Arthas, eh bien, il n'y a quasiment aucun mort, en fait. Il n'y a quasiment aucun mort. Globalement, tout le monde s'en sort, tout le monde va bien. Anduin, il a tué personne, donc... ouais, il est en mode dépression, tout ça, mais il a tué personne. Oui, il a blessé des gens, mais au final, à part 2-3 connards de fées à Sylvarden, il a buté personne. Donc, il n'y a pas de mort emblématique vis-à-vis de... des sacrifices vis-à-vis d'Anduin, donc il a même pas vraiment de sang sur les mains, Anduin, en fait, contrairement à Arthas à War 3. Donc forcément, c'est pour moi le reste de Shadowlands qui va réduire l'impact d'Arthas, et le geôlier au final n'a pas eu vraiment d'impact létal sur des personnages importants, et donc il n'y a pas vraiment de larmes à côté, et ce qui fait que, bah, en fait, si on prend indépendamment l'arc d'Arthas, eh bien, il est plutôt bon par rapport au message de Shadowlands. Le problème, c'est que l'un des trois messages de Shadowlands, qui est le deuil, eh bien, il passe complètement à côté quand il n'y a que vraiment Arthas qui a une mort définitive. Et c'est ça le problème, c'est que ça réduit l'impact de l'arc d'Arthas. Le reste de Shadowlands réduit l'impact d'Arthas. Contrairement, par exemple, à la thématique du libre-arbitre et de la justice, on y reviendra avec Uther, et on en a parlé avec Sylvanas, là, pour le coup, le troisième message de Shadowlands, qui est dire la mort, pour le coup, n'est pas forcément bien géré avec Shadowlands. Et donc, comme je l'ai dit, bah, forcément, ça réduit aussi l'impact de cet arc autour d'Arthas. Mais personnellement, eh bien, encore une fois, je le trouve aussi satisfaisant, l'arc d'Arthas, même plus que satisfaisant. Kel'Thuzad, je trouve ça mauvais. Ner'zhul, je trouve ça potable. Je trouve ça moyen bien, on va dire. Pour le coup, l'arc d'Arthas, c'est pas ce que j'espérais. Mais à la fin, eh bien, je trouve que c'est quand même une énorme prise de risque. Et ça, faut le reconnaître. Factuellement, Blizzard a pris beaucoup de risques avec Arthas. Et après, pour le coup, là, c'est vraiment chacun apprécie ou pas. Personnellement, j'apprécie beaucoup, j'apprécie la fin d'Arthas. Je sais pas si je dirais beaucoup. J'aurais voulu, bien entendu, une rédemption, un retour Ner'zhul, Arthas, Kel'Thuzad, tout ça, tout ça. En tant que fan du fléau, forcément. Mais finalement, eh bien, force est de constater pour moi, en tout cas, là, vraiment, c'est moi qui l'apprécie. J'aime quand même cette fin d'Arthas. Et ce que je vous invite à faire pour conclure cette vidéo, c'est que, avec tous les éléments que je viens de vous disposer, même si vous n'aimez pas la fin d'Arthas, je vous invite à re-regarder la cinématique d'Arthas, justement. La cinématique de la mort d'Arthas à Shadowlands. Et de voir un petit peu avec tout ça, voir si est-ce que ça, c'est vraiment si problématique. Personnellement, moi, il a fallu plusieurs visionnages pour que j'accepte et que je comprenne mieux cette cinématique. Donc voilà, c'est pour finir cette vidéo, je vous invite à faire pareil que moi, j'ai envie de dire, de la re-revisionner, voir avec tous ces éléments, toute cette analyse en tête, voir si justement la fin d'Arthas vous satisfait un petit peu plus. Voilà, plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.
Oui, bonjour, je suis le roi Lich. Vous allez me dire lequel ? Et rien que pour cette question, je vous maudis tous à subir les tourments éternels, puisque je vous rappellerai toujours que ma vie pour Ner'zhul, c'est moi, le roi Lich, c'est moi ! Voilà, bon bah du coup je m'en vais. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Mon champion mortel a beaucoup parlé. Au revoir.